Yo le chat, ça dit quoi les gars? Ça dit quoi l'équipe? Est-ce que vous allez bien? Aïe 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 aïe. Yo tous ceux qui sont sur la rediff, ça fait plaisir, vous êtes les boss. Vous êtes les boss, tous ceux qui sont sur la rediff, sachez-le, je vous kiffe. Mais par contre les gars, faites quand même un effort pour essayer d'être là en live. Non mais enfin voilà, vous savez que je live quasiment tous les soirs. Essayez de vous rendre disponible, essayez de venir quand je live. Enfin voilà, soyez là les gars. Yo le chat, yo 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 yo, ça dit quoi les gars? Oh là 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 là, j'adore. Là les gars, on va faire un live très très sérieux. Aujourd'hui on fait un live, c'est du sérieux. C'est pas des lol, je vous le dis. Ah je vous le dis. Yo, yo yo yo, ça dit quoi le chat? Yo les gars, yo Salamanche, yo Achille, yo Zozo, Hugo, Silverman, Hussein, yo Léa, yo Raissa, yo Mathieu. Oh là là, il y a trop de monde. Yo yo yo. Aïe aïe aïe, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Eh mais j'ai remarqué, vous, quand vous êtes là, quand vous venez pendant les lives, vous dites tous yo tout le temps. Tout le temps, vous dites juste yo. Tout le monde dit yo. Il n'y a pas de... T'as vu, il y a des petits... Salut le Mich. Hey, hello, comment ça va? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une majorité de yo. Depuis que je live, à chaque fois, le début, tout le monde dit que yo. Après, je comprends, c'est deux lettres, c'est rapide à écrire. Vous, vous êtes là, vous êtes en détente, vous êtes en mode yo. Comment vous dites bonjour à vos potes? Les gars, c'est une vraie question que je vous pose là. Comment vous dites... Quand vous croisez un mec dans la rue, vous dites quoi en premier, genre? Attends, moi, attends, j'essaye de... Moi, en vrai, je sais pas. Attends, comment je dis? Je dis... Non, je dis pas salut, ça va. Je dis comment, en vrai? Ouais, bien ou quoi? Ouais, je dis comme ça, moi. Ouais, moi, je fais ça, moi. Je check comme ça, je fais ouais, bien ou quoi? Tranquille. Tranquille ou quoi? Carré. Non, je dis pas carré. Mais je dis ouais, bien ou quoi? Tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, je dis grave ça, moi. Moi, je dis ça, moi. Moi, je dis ouais, tranquille, bien. Salut, ma gueule. Wesh ma gueule. Ah ouais non, moi je dis pas ça. Wesh le sang bien ou bien? Ah ouais non, je dis pas ça. Moi je dis bonjour. Ok, c'est très bien. Moi je dis bonjour ou bonsoir. C'est très bien, c'est très bien. Juste moi j'avoue je dis pas à mes potes, je dis pas comme ça. Après quand je vais dans des rendez-vous un petit peu plus t'as vu, je vais chez le médecin, je vais pas dire wesh bien ou quoi. Je vais dire bonjour machin, j'espère que vous allez bien. Mais voilà, salut mon gars. Ok, bon les gars, sinon, les petits potes, Fully Raven, merci pour tes 5€, merci Black Game pour tes 1€, Décompte Pro, merci pour tes 2€, QC Marmotte, merci pour tes 7$ canadiens, Duvois, merci pour tes 4 mois, bienvenue, comment ça va le Mich? Ça va très bien et vous? Les gars, c'est comment là? Vous avez passé une bonne journée ou pas? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Qui est en vacances? Il y a encore des gens en vacances là, non? Normalement, il y a encore des gens en vacances. Kylian, merci pour tes 2€. Oui, moi, oui, 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 oui. Ah ouais, il y a encore du monde en vacances. Attends, mais ceux qui sont en vacances, c'est... Vous êtes où, là? C'est... Il y a encore une zone en France qui est en vacances, mais je sais pas c'est où. Oui, en Belgique. En Belgique, c'est encore les vacances aussi. Merci, Léna, pour tes 2€. Merci beaucoup, Léna. Il y a que les gens de Paris. Ah, c'est Paris qui est pas... qui est en vacances. Ok, ah mais c'est pour ça, je me disais, tout à l'heure gros, je suis allé faire les magasins, je suis allé faire un petit peu de shopping, je voyais, il y avait grave du monde, j'étais en mode, mais attends, ils sont pas en cours, après on est mercredi après, donc j'avoue, bonne journée en vrai, le mercredi après, même ceux qui sont pas en vacances, c'est tranquille, c'est une bonne journée, Ticho, merci pour ton sub, bref, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live sponsorisé, par Supercell, merci Supercell, merci Supercell, merci Clash Royale, les boss quoi, les boss tout simplement, on continue de faire des lives sur Clash Royale, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, donc ça fait extrêmement plaisir, les amis, vous savez, il y a le tournoi d'Inox, il y a le tournoi d'Inox le 10 mars, attendez, qui a suivi le chat? Vous savez vous? Ouais c'est le 10 mars, attendez, vous êtes limite plus au courant que moi, c'est pas bien du tout. Le 10 mars, effectivement, le 10 mars les gars, live Clash Royale à 19h je crois, non, enfin nous on a rendez-vous à 19h mais c'est à 20h ou 20h30 le live. Mais ouais, le 10 mars les gars, l'édition 2 du tournoi d'Inox sur Clash Royale et je vous le dis, je veux la gagner cette édition. J'ai ma revanche à prendre. En vrai de vrai, j'ai fini deuxième au premier tournoi. Là j'ai une revanche à prendre. J'ai une revanche à prendre. Je veux terminer premier.
Et vous le savez, on s'est déjà pas mal entraîné, mais aujourd'hui, on va encore plus s'entraîner. Et en plus, les gars, regardez, je vais lancer le jeu. Oh là là, j'adore. J'adore ce bruit. Game Center qui se lance. Merci mon pote, mais non. Les gars, alors déjà, on a un petit pack opening à faire. J'ai eu Scoff ce matin, frérot. Ce matin, j'ai fait un petit combat. J'étais là dans mon lit, j'ai fait un petit combat. Mec. J'ai vu ce coffre là, je peux te dire que j'étais content. J'étais refait, mais regardez, tournoi tirage triple. Les gars, si c'est pas un tournoi pour moi, si c'est pas un tournoi pour moi, on s'est tellement entraîné en tirage triple pour le tournoi d'Inox, et là on va encore s'entraîner pour l'édition 2 du tournoi d'Inox avec ce tournoi, et en... c'est parfait, c'est parfait. Ce tournoi, normalement, je devrais être quand même assez bon. En plus, ça va nous permettre de me surentraîner pour le tournoi d'Inox. C'est parfait, les gars, c'est parfait. Là, mon objectif pour de vrai. Après, je me rends pas compte du niveau des gens, mais j'aimerais bien faire 20 victoires. J'aimerais bien faire 20 victoires. Ils ont fait combien, les gens? Oh, le premier. Ah, ça a l'air d'être galère quand même, hein. Les premiers, ils sont à 29 victoires. Ah ouais, non, ça va être dur, 20 victoires. T'imagines, tu fais 27 victoires, t'es dans le top 50. Mec, c'est mon rêve. Après il reste encore 4 jours, donc peut-être qu'il y aura d'autres gens qui vont s'incruster avec le temps. Mais mec, c'est mon rêve d'être dans le top 50. Imagine la dinguerie de fou. On va demander dans mon clan, on va demander, allez, un petit peu de fournaise. Donnez-moi de la fournaise les frérots s'il vous plaît. Oh mais il y a les... Mais oui, c'est les 6 ans de Clash Royale. Mais oui, c'est vrai frérot. Mais attends, mais c'est magnifique. Mais le live d'aujourd'hui est magnifique. Mais heureusement que j'arrive sur Clash Royale aujourd'hui. C'est les 6 ans de Clash Royale. Oh là là, émoticône anniversaire gratuite. Incroyable. J'adore les gars, nouvelle emote gratuite. Oh, il y a une emote et un coffre pour 1000 gemmes. Purée, j'ai plus de gemmes. Je remets des sous ou pas? Eh, j'ai une question. Parce que mon frère, je sais qu'il devait avoir un code créateur. Ah non, il l'a pas encore. Il l'a pas encore, je sais pas. Je sais pas s'il va l'avoir finalement. Ok, ok, très bien. Eh ben les amis, on va pouvoir se faire un petit pack opening. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud. Kylian, merci pour tes 2 euros, merci à Alexei, Tito, Mickey, merci pour ton sub, merci GK. Ahmed, merci pour tes 2 euros, grosse dédicace. Ahmed Game, grosse dédicace mon frérot. Tu vas... Attends quoi? Tu vas arriver à 22h au tournoi. Non, les gars. Non, le tournoi d'Inox, j'arrive pas en retard. C'est mort, non mais c'est mort. Non mais les gars, même tout à l'heure, j'avais un rendez-vous tout à l'heure. C'était à 14h, je suis arrivé à 14h15. J'étais encore en retard de 15 minutes. Non mais en vrai, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je voulais live à 20h, il est 20h30. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais voilà. Amel, merci pour tes 5 euros. Pourquoi tu fais pas de voyage? Il y a plein de choses à voir dans le monde. Faut que tu profites un peu. Là, tu fais rien. Alors déjà, Amel, je joue à Clash Royale. Donc, si je peux me permettre. Voilà. non, mais en vrai, t'inquiète pas, Amel. J'ai prévu des voyages et tout. J'ai envie de voyager. Peut-être que tu trouves que je voyage pas assez. Moi je trouve que j'ai beaucoup de chance, que je voyage déjà beaucoup, mais j'ai pas envie d'en abuser. Ça tiendrait qu'à moi, je passerais vraiment ma vie à voyager. Sauf que tu vois, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie de live, j'ai envie de... T'as vu, j'ai la chance de pouvoir voyager beaucoup grâce à vous, faut pas que j'en abuse. Genre, je peux en abuser, je peux me permettre de passer ma vie à voyager. Sauf que le problème, c'est qu'après, vous, je vais vous faire juste des vlogs et ça sera toujours la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, de temps en temps, il y a des vlogs voyage, ça change. Ensuite, je stream parce que si je fais que voyager, frérot, je stream plus. Donc déjà, tous ceux qui regardaient live, vous avez le seum. Et en vrai, je voyage déjà beaucoup, hein, les gars, j'ai de la chance. Je suis allé au Mexique en été. Attends, frère... cet été, gros, je suis allé à Cannes, je suis allé au Mexique, je suis allé à trop d'endroits, je suis allé à Dubaï il y a pas longtemps. Mec, j'ai trop de chance. Bref, les amis, est-ce qu'on se prépare un petit pack opening là? Eh, vous avez vu ou pas mon nombre de trophées? Bientôt 6500!
Et je les ai passés un moment. Je les ai passés un moment, j'avais 6511 trophées, c'est mon record. Mais là, j'ai un vrai nombre de trophées, hein. Et franchement, je commence à m'améliorer, non? Merci des comptes pro. J'ai le même problème avec les rendez-vous, c'est grave. Mais c'est trop grave d'arriver tout le temps en retard. Mais à partir de maintenant, il faut que je me dise un truc, faut que je me dise si le rendez-vous il est à 14h, faut que je sois là-bas à 13h50. Faut pas que je me dise je dois arriver à 14h, faut que je me dise j'arrive en avance. C'est ça. Et en plus, la dernière fois, je suis arrivé en avance. J'avais un tournage à 13h, je suis arrivé à 12h40. J'étais trop content. Mec, j'étais à l'heure, j'étais pas pressé. Je voyais les gens arriver et tout, j'étais trop content. Franchement, être à l'heure, c'est cool. Kill de poulet, merci pour tes 5€. Salut BG, ça va et toi? Ahmed, merci pour tes 2€, tu vas bien gros BG, je vais très bien. Les amis, vous êtes prêts? Pack opening, let's go. On commence avec un coffre en argent. On sait jamais ce qui peut se passer. En l'occurrence, là, il s'est rien passé. Mais voilà, on sait jamais, il aurait pu avoir une petite surprise. Ensuite, coffre magique, les gars. Coffre magique, ça peut créer la surprise. On va ouvrir avec la clé de coffre, évidemment. Et merci les jokers. Ok. C'est parti, les gars. Merci les objets magiques. Mec, la clé de coffre, c'est une masterclass. Ok, or, 1700. Pas mal. On a... Oh, 10 épiques en joker. Oh, je suis trop bien. Oh. Oh, il met bien, là, le coffre magique. Mec, j'espère on a un champion dedans. Déjà, si on a une légendaire, c'est bien. Si on a un champion, c'est trop. Ok, un esprit de feu. Je suis un peu dégoûté. 8 recrues royales. C'est pas beaucoup. Donne-moi plus. 32 chevaliers. Attends, mais c'est mort, là. J'ai même pas eu toutes les communes. Je crois que c'est mort. Attends, quoique, j'ai toutes les communes. Je crois que j'ai eu toutes les épiques en joker. Donc là, si j'ai toutes les rares... Bon, petite légendaire, c'est pas mal. J'avoue, je m'ambiance un peu trop. Mais voilà, ça reste une légendaire, ça fait plaisir. 21 gobelins, Sarbacane en plus, c'est une bonne carte. C'est parti, la légendaire, régale-moi. Je sais pas ce qu'il me faut. De la princesse, pourquoi pas. La princesse, ah, j'aurais bien aimé Cava Bélier. Princesse, allez, ça fait plaisir. Blaze Up, merci pour tes 2$ canadiens. Merci beaucoup, les gars, pour vos dons. Magnifique le coffre magique. Et là, les gars. Méga coffre foudre. Eh, c'est même pas joker garant. C'est même pas légendaire garanti là-dedans. Eh, c'est ni légendaire garanti, ni champion garanti. J'espère qu'on va avoir, hein. J'espère qu'on va avoir au moins légendaire ou champion. Oh là 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 là, là c'est sérieux. Oh là, c'est sérieux. 8500 or, ça fait très plaisir. Allez, c'est parti. En commune, on en a 63. Sachant qu'il y a 900 cartes dans ce coffre, il nous en faut encore beaucoup des communes. Gobelin lance, je pense qu'on va changer. 300 esprits de feu. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire de 300 esprits de feu? De toute façon, les communes, j'en ai trop, frère. Toutes mes communes, faut que je les améliore. 360 esprits de glace, ok, pourquoi pas, ça fait plaise. Wouah, 200 géants, mec. Attends, 200 rares, mais c'est abusé. Mais il a... Il reste 2 cartes et il y a une légendaire. Ça sent... Attends. Il reste 2 cartes et il y a une légendaire. Je dis ça, je dis rien. Ça sent fortement le champion. Ça sent le champion. Archer magique. Ok, de l'archer magique. Et attention. Oh là là, c'est beau. Merci, du roi squelette, s'il te plaît. Est-ce que je peux le foudre? Est-ce que je peux foudre le chevalier d'or pour avoir du roi squelette? Oh, je peux, mais attends, c'est trop bien, frère. Ah ben non, pas elle. Non. Non, c'est un non. Archer magique, la reine des archères, je t'aime, mais non. Voilà! Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on prend ensuite? Eh, n'empêche, vous avez vu, quand t'as un champion, normalement, quand t'as une carte max et que tu gagnes cette carte, ça te donne de l'or. Et là, quand t'as un champion niveau max et que tu regagnes un champion, ça te donne des étoiles. Je savais pas ça. Ça, je savais pas du tout. Ok. Roi squelette, c'est cool. Ça, on change pas. Les 300 communes, on va changer. Oh, du canon, en vrai, pourquoi pas, hein.
On va changer les rares. En rare, il me faut de la fournaise ou méga gargouille ou machine volante. Ok, fournaise, c'est parfait. En épique, j'aimerais bien de l'électro-dragon, du bébé dragon, de la tornade. Pas du miroir. Pas du feu à gobelin. Non. Pas de l'électro-géant. Oh non, j'ai rien du tout. En vrai, je peux peut-être garder la foreuse gobeline. Hein. Non, allez, on change. Oh merde, j'aurais pas dû changer. Oh là là, merde. Ok, bon, ça reste un très bon coffre. Ça reste un très bon coffre, on va pas déconner, les gars. Un archer magique, un roi squelette de la fournaise, c'est pas dégueu. On prend 8000 or, on prend aussi. Voilà, ça fait plaisir. Et bah, les gars, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les frérots, je pense que... Mais... Les gars dans le clan, est-ce que vous pouvez arrêter de spammer les emotes? Ça me rend ouf. Bref. Ils sont trop chiants. Ils sont trop contents. Là, ils sont en mode la télé, la télé. La télé, la télé. Arrêtez de spammer les emotes. Ça fait trop de bruit. Les gars, vous êtes prêts ou pas? Tournoi tirage triple. C'est parti. 0 victoire, 0 défaite. On a le droit à 5 défaites. Faut aller le plus loin possible. En plus, on a un méga pack opening à la fin à faire, les gars. Honnêtement, c'est pas dégueu. Déjà, faut que je fasse 15 victoires. J'aimerais trop faire 20 victoires. Ça serait incroyable. Mais déjà, si on fait 15 victoires, c'est magnifique. Les gars, c'est parti. Je vous le dis, hein, je vais tryhard. Hein. On est là pour s'entraîner. Je vais tryhard. Je vais me concentrer. Allez, c'est parti. Ok, on est contre Jiyug. Il est dans le clan Chompiamigos. Alors là il peut avoir un dragon TDE. Il peut avoir un électro dragon. Je pense qu'on va prendre une petite sorcière. La sorcière, je pense qu'elle peut faire le taf. Sachant qu'il peut avoir l'électro dragon, si je prends le Zappy, j'ai trop le seum. J'espère qu'il prend pas l'électro dragon. C'est dur en fait parce que je me rends compte que je suis contre des gens que je connais pas. Alors que tu vois par exemple tirage triple, quand je le fais contre Inox, Inox, je sais à peu près ce qu'il va choisir. Donc j'arrive trop bien à le contrer. Alors que là, je compte un mec, j'en ai aucune idée de ce qu'il va choisir. Du coup, je vais pas prendre le Zappy. Je vais pas prendre le Zappy. La Tombstone, ça peut être bien pour défendre s'il a un gros tank. Oh bordel. Cimetière, Forest Goblin ou. Oh, sachant que lui, il peut avoir la cave à bélière. On va prendre la Forest Goblin plutôt que le cimetière. PK. Attends, mais il me reste plus de temps là, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche, bordel. Ah, ah, ah. Oui, gobelin, sort ma canne. Tornade. J'aurais peut-être dû prendre le zap, non? Je sais pas, j'ai la tornade. Oh, du coup, j'ai pris trop de temps. Mais qu'est-ce que... Pourquoi j'ai pris autant de temps? Ok, bonne chance. Ok, frérot. On va attendre qu'il joue. J'attends qu'il attaque. Allez, poteau. Ok, pas de soucis. J'ai trop mal placé ma foreuse. Ça commence mal, les gars. Non, mais je veux pas commencer avec une défaite, je vous le dis. Hein. Oh, il a bûche. Ok, je pense que il est pas méga fort. Oh, mec. Bah, moi non plus. J'ai mis... Attends, on va faire ça. Sinon, ça va dégénérer. La sorcière. Pour défendre la mamie sorcière, c'est très mauvais bail. Ok, il met une tour à bombe. Ok, il sait pas jouer. Oh les gars, je suis rassuré. Ça se voit qu'il a, il a pas l'air de savoir méga bien jouer. Ouais, non, il sait pas jouer. Les gars, il sait pas jouer. Je vais l'atomiser. Non mais je le vois dans ses moves. Il fait des moves trop bizarres. Après, faut quand même que je me concentre. Là, tu vois, par exemple, j'ai mis un PK. C'était un peu c'était un peu mal joué de ma part, tu vois. C'était un peu risqué pour rien. Mais je pense que je vais l'atomiser. Mais faut pas que je prenne la confiance. Oh. Oh là par contre ça peut faire très mal. Oh le PK qui tank. Déjà la tour à bombe. Ah bah voilà. Je me disais la tour à bombe pour défendre le PK c'est un peu nul. Bon du coup le PK il a tank mais vite fait. Il a pas tank beaucoup. En vrai les gars va falloir que je fasse attention quand même. Hein. Je fais le malin en mode je vais l'atomiser. Je vais laisser un peu gratter c'est pas grave.
Mais Théma, il met son séisme alors qu'il sait que j'ai un bâtiment. Bon, il joue pas méga bien. En vrai, je vais le battre. Je vous le dis, je vais le battre. Mais il faut que je prenne pas la confiance. Mon P.K. je le mettrai, voilà, je le mets pour contrer sa cave à bélière. Je pense que c'est pas le mais. Ouais, si, regarde, elle a pas le temps d'attaquer. Là, le sort de... Oh, ok, c'est bon, il touche. Le sort de foudre, magnifique. Il va mettre l'armée de squelette. C'est bon, je savais. Il a le dragon TDE, c'est pas grave. Le P.K. c'est pas mon attaque de toute façon. On va mettre le petit gobelin Sarbacane pour défendre. Oh là 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 là. La foreuse elle a fait mal hein. Ouais c'est bon les gars là c'est pas mal. Ok il a mis un séisme. Et ben on va sort de foudre foreuse hein. J'ai envie de te dire. Mais pourquoi il défend? Frérot il continue à défendre alors que il va perdre sa tour. Ok les gars. Les gars, c'est une première victoire pour le joueur français. J'ai galéré alors qu'il était pas très bon en face hein. Magnifique. Magnifique. 1-0, ok c'est bon. Mais j'étais pas hyper concentré en vrai. Je pouvais jouer beaucoup mieux. C'est juste que j'ai vu qu'il faisait beaucoup d'erreurs. J'étais en détente. Et ben voilà, on commence avec une victoire. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Allez c'est parti, on continue les gars. On continue, on charbonne. Je veux qu'on aille à 20 victoires. Oh, il peut avoir l'archer magique ou la mousquetaire, c'est un peu relou. On va pas prendre le bébé dragon, on va prendre le bourreau. Ok. Oh, je pense que je vais prendre cavabellière direct. Hein. Eh, cavabellière, je l'aime trop les gars. Je l'aime trop maintenant la cavabellière. Je trouve que c'est vraiment une trop bonne carte. Attends, mini PK, PK fournaise. Déjà, barbare d'élite, ça sert à rien parce qu'il va me les démonter. On va prendre les recrues royales. Un petit zap pour accompagner la cavabellière. On va prendre plus de la défense. Un petit, une petite armée de squelettes. Voleuse qui peut très bien défendre et très bien attaquer. Le gobelin Sarbacane qui fait un taf monstrueux. Par contre, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'il avait lui en attaque. S'il avait gobelin géant. Ouais, il avait pas des trucs de ouf, je crois. Et le poison. Ouais, poison. Ok. On a un deck plutôt pas mal. Je pense qu'on a un deck pas mal. Cavabellier, pas cavabellière. Ouais, j'avoue, je dis cavabellière tout le temps. J'avoue. Ok, j'ai mis une petite voleuse. Eh, la mamie sorcière, je l'aime pas. En plus là j'ai une armée de squelettes dans mon deck. Ok bon. Ça va. J'ai été un petit peu agressif hein. J'ai mis tous mes sorts dès le début gros. J'ai été un peu agressif. Il a pas l'air de vouloir attaquer hein. Ok. Il a l'air, je sais pas s'il a l'air fort. C'est un peu tôt pour le dire. Oh, je sens que la princesse, elle va être chiante. Ah, il a voleuse. Non, la voleuse, elle est morte, je suis dégoûté. Ok, le bourreau qui fait le taf. Voilà, il va même taper un... Comment ça, il s'est transformé en cochon? T'inquiète. Je sais pas ce que j'ai fait avec la cavabellière. Je sais pas si c'était le meilleur move à faire. Let's go, là tu es la princesse, je suis trop content. Oh je suis trop content, le cavabellier, pardon. Ok, combat plutôt calme hein, pour l'instant. Mais je sais que là j'ai... Je cavabellier poison. Et son seul bâtiment c'est la tombstone. Donc en vrai je fais cavabellier poison. Et je lui gratte sa tour. Lui il a pas l'air d'avoir d'attaque hein. Après peut-être il a une attaque qui coûte cher. Du coup il veut pas la mettre pour l'instant. Ce que je comprendrais. Oh la bûche ratée. Petit poison pour tuer la mamie sorcière. Oh il met un séisme pour défendre. D'accord. D'accord pourquoi pas. Mec on va attaquer des deux côtés. Je sais pas si c'est le bon bail.
Ok, tain, le mini P.K. il a méga bien défendu, je suis dégoûté. Et le séisme aussi. J'ai mis un petit peu les recrues dans la panique, on va pas se mentir. Ok, les deux princesses, elles vont mourir. Et là, je vais pouvoir faire le combo Cava, Bélier, Poison. Et là, ça va faire mal normalement. Ah là, frérot. C'est juste le mini P.K. qui est relou en fait. Merde. Ouh, j'ai eu chaud là. Oh la voleuse qui tape. Bon, lui aussi il tape hein. Aïe. Eh, la voleuse elle a bien tapé de l'autre côté, ça fait plaisir. Oh magnifique le poison. Tain, son mini P.K. il défend trop bien. Le chasseur, faut surtout pas le défendre au corps à corps parce qu'il fait trop mal de près. Bah c'est parti les gars, on va gratter hein. Oh il a mis son mini P.K. de l'autre côté. Par contre là il va vouloir séisme. Il peut me faire mal là hein. Faut que je fasse attention. Ah il a pas mis son... Merde j'ai mis l'armée de squelette. Mais je suis un ouf. Mais je suis un ouf. J'ai mis l'armée de squelette contre la mamie sorcière. Oh non je perds sur ça frérot. Qu'est-ce que je branle là? Me dis pas que je perds sur ça, frérot. Oh la voleuse! Oh la voleuse qui tape! Oh ah ah, j'ai eu chaud! Oh, j'ai eu chaud aux fesses! Oh, mais j'ai mis mon armée de squelette alors qu'il y avait la mamie sorcière, frère! J'ai fait la pire erreur de ma vie! Oh, ça a failli me coûter la game, hein! Oh, j'ai eu chaud! Il avait séisme! Oh, attends, mais j'avoue, il avait le séisme pour me terminer! Et heureusement il était nul. Et j'ai failli perdre contre un mec nul. Mais attends les gars, il faut que je me reconcentre. Ça ne va pas, il faut que je me reconcentre. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais en fait moi pour de vrai les gars, je suis assez fort contre les gens qui sont plutôt forts aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre quand un mec joue un peu n'importe comment, j'arrive pas à pré-shot ce qu'il va faire. Et du coup je fais n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Genre j'essaye tellement de pré-shot ce qu'il va faire. Genre je me dis là il va mettre son mini P.K. pour défendre. Et en fait comme il est nul, il met pas son mini P.K. il fait un autre truc. Et du coup ça me surprend et au final je me fais battre. Tu vois ce que je veux dire? Allez c'est reparti les gars. Ok bon, 2 victoires pour l'instant, c'est pas énorme mais c'est pas mal. Allez, petite sorcière de la nuit, lui il peut avoir la voleuse en face, pas de problème, on va prendre le sort de foudre. Il peut avoir le séisme aussi, pour l'instant j'aime pas, il peut avoir des bonnes cartes. Archer magique ou sorcier électrique? Sorcier électrique je l'aime beaucoup, mais l'archer magique je sais qu'il est chiant à défendre. On va prendre l'archer magique. Oh bordel. Oh bordel. Il peut avoir le méga chevalier ou le fuyat gobelin. C'est certain il va prendre le méga chevalier. Tout le monde prend le méga chevalier. Je pense que je vais prendre l'électro géant. Je pense que je vais prendre. Au cas où s'il a pris le fuyat gobelin je prends ça. La machine volante qui fait un taf monstrueux. Oh Tesla ou P.K. On prend le P.K. frère. Mais j'ai un deck qui coûte trop cher. Oh j'ai un deck les gars. Oh 4,8. Waouh. Waouh. Waouh j'ai un deck qui coûte cher. On va voir hein. Ok. La voleuse, j'ai ce qu'il faut pour la défendre, y a pas de problème. Est-ce qu'on... Eh tu sais quoi? Allez direct frère. En plus sa mousquetaire va se faire tuer. Voilà. Eh direct frérot. On perd pas de temps. On perd pas de temps. L'électro-géant au pont. L'électro-géant au pont. Il va pas sur la tour du roi. Oh là là, mais ça prend la tour, frère. Ça prend la tour. Et là, puisque je suis vraiment un petit enflure.
Voilà, voilà. On s'amuse. Ok, il met le méga chevalier, je m'y attendais. C'est pour ça que j'ai pris le PK. Oh là 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 là, les gars, c'est gagné. Là, c'est gagné d'avance. C'est gagné d'avance. Attends, je vais pas faire le malin non plus. Et attention, PK sorcière de la nuit. On a un nouveau combo qui se prépare. Bah attends, il est bête. Pourquoi il met des barbares d'élite alors que j'ai un PK qui arrive? Je pense que le sort de gel, c'était pas le meilleur, mais pourquoi pas. Eh, en vrai, attends. Attends, en vrai, il a fumé mon PK, là. Wesh. Wesh. Il prend ma tour, frère. Je l'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé. Je l'ai complètement sous-estimé là. What? Mais ok. Je l'ai sous-estimé. Gagné d'avance 3 petits points. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Putain, mais son méga chevalier sort de gel, ça a fait trop mal en fait. Je suis dégoûté. Faudra m'expliquer. Ah, je comprends mieux. Mais il me rend ouf avec son sort de gel. Le pire, c'est que ça marche. Et je vais électro-géant. Le problème, c'est qu'il a les barbares d'élite, en fait. Bon, l'électro-géant, il va fumer tout le monde. Bon, il a pas l'air d'être au courant que les barbares d'élite, ils fument l'électro-géant. En vrai, les barbares d'élite, ça défend trop bien un électro-géant. Mais il a pas l'air au courant. Sauf que du coup, là... Il a remis la game à zéro, le poteau. Oh, le PK, là, il va faire un taf monstrueux. Oh, mais bordel! Son armée de squelettes, elle me rend ouf. Petit sort de foot préparé. Ok. Oh. C'est trop marrant. Oh, non! Oh, le PK, il tape! J'avais pas vu! Bon, c'est gagné! Let's go! Ah, je voulais prendre sa tour avec l'électro-géant, sauf que le méga chevalier il a fait tourner l'électro-géant. Mais du coup le méga chevalier il a pas défendu le PK et le PK il est allé sur la tour. Il s'est passé trop de choses, mon cerveau était perdu. On est sur un 3 victoires, 0 défaite. C'est pas mal du tout, il faut continuer dans cette lignée là. Allez les gars, allez on continue. Oh. Tu connais. Lui il pouvait avoir en face, il pouvait avoir l'Arc-X. Et le golem d'élixir, je crois, un truc comme ça. Et la forest goblin. Je me rappelle plus très bien. On va prendre le bouliste. Ouais, le bouliste, il est chaud. Machine volante ou gobelin sarbacane? En vrai, gobelin sarbacane, il est trop fort, frère. S'il a pas ce qu'il faut pour le défendre, genre là, tu vois, il a pas la bûche, il a pas les flèches, il va faire un taf monstrueux, le gobelin sarbacane. On va prendre les flèches. Parce que j'ai pas énormément d'anti-aérien pour l'instant. Wow. Il a des trucs violents. Oh non, il a le PK, frère. Je suis dégoûté. Oh mais ouais, je viens de réaliser. Je suis dégoûté, il a le PK. Oh, le PK, il va détruire... Il va me détruire, en fait. Oh, le PK, il va me détruire. Il me détruit tout, le PK. J'espère qu'il a pas pris le PK. J'espère qu'il a pris les barbares d'élite. Comme ça, j'ai la... Frère... Vas-y, je suis dégoûté, frère. Comme par hasard, il a mis son PK début de game. Il savait. Wouah! Attends, alors l'Arc-X. En vrai, l'Arc-X, j'ai un peu son contre. Puisque j'ai le golem. Sauf que lui, il a le PK. Oh, il a séisme. Oh, il s'est joué en face. Ah, je vous le dis. En face, ça s'est joué. Hein. Ok. Je vais. Est-ce que je pose vraiment le golem? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? En vrai, vas-y. J'ai plus d'élixir.
Mais là, il va mettre le PK, il va me terminer. En plus, j'ai rien pour mettre derrière le golem. J'ai pas une sorcière de la nuit, un bébé dragon. J'ai la mousquetaire, quoi, mais... Putain. Ah là, les gars. Bon, le golem, il tape quand même. En vrai, il fait mal, hein. Putain, le PK, il a pris cher par la mousquetaire. J'ai mis le canon au pire endroit du monde. En fait, je voulais que le canon, il fume l'Arc-X. Sauf que du coup, il s'est fait fumer par le PK. Allez, c'est parti. Putain, le gobelin Sarbacane, j'aurais dû le garder, en fait. Parce que le gobelin Sarbacane, il peut bien bien accompagner le golem. C'est quoi, je vais mettre un golem ici, poteau. Non, je crois que c'était le pire truc, là. Je crois que j'ai très mal joué, là, à mettre mon golem, là. Wouah! Mais attends, mais là, il y a un push qui arrive, frère. Il fait peur. Bon, ça va, les sorts, ils ont fait le café. Hein. Dis-moi que ça fume l'artificière. Putain, mon gobelin Sarbacane, il est mort, je suis dégoûté. Là, bon, ça risque de faire mal. Hein. En vrai, ça va. Oh, le séisme, merde. Ok, je suis pas dégueu. Hein. Les gars, je m'en sors très bien. Hein. Et là, on va pouvoir faire golem, gobelin, Sarbacane. Et s'il a rien pour tuer le gobelin Sarbacane, ça va faire très très mal. En fait, il a son PK. En vrai, c'est bon, les gars. J'arrive à le gratter. Lui, il arrive pas à me gratter. Il sait. Là, le seul truc qui pourrait lui faire gagner, c'est qu'il sique son... C'est ce qu'il va faire. J'ai le seum. J'allais dire, c'est qu'il cycle son Arc-X et qu'il le mette de l'autre côté. Et c'est clairement ce qu'il a commencé à faire. C'est bon, j'ai très bien défendu. J'ai très bien défendu. Ça le fera pas gagner finalement. Et il y a mon golem sur sa tour. C'est gagné, les gars. Let's go. Oh, bordel. Oh, je pensais pas gagner. Hein. Franchement, j'ai fait une bonne game hein, parce que... Il avait un peu mes... En fait, ça dépend. Il avait mes contres, mais il pouvait pas passer. En fait, il pouvait me défendre, mais il pouvait pas attaquer. Donc au final, j'étais bien. Ok, petite clé de coffre, ça fait plaisir. Les gars, je suis égalité avec Walouf. 4 trophées, 0 défaite, je suis égalité avec Walouf. À partir de ce moment-là, peut-être même qu'on va le doubler. Attention. Emma, 20 euros, merci beaucoup. Petit cadeau pour des dents de sagesse. Moi, j'ai fait les dents de sagesse plus une opération de la mâchoire pour la mettre dans une bonne position. Ah ouais. Double opération, ça doit faire mal. Hein. Purée. Franchement, bravo Emma et merci pour ton don. Est-ce qu'on prend le mineur? Mineur pour gratter, c'est pas dégueu. Non, on va prendre les fripons en défense, c'est pas dégueu. Boule de feu, foudre. On va prendre le sort de foudre. Il a le sort de séisme, je pense. Oh, il y a un golem en face. Et les crocs géants ou foreuse goblin? Je sais même pas s'il va prendre le golem. Je pense qu'il va prendre les cochons. Je prends l'électro géant. Il me faut un truc pour défendre le golem et les cochons. Ok. J'ai des trucs pas dégueu là. Hein. Chauve-souris plutôt. J'aurais peut-être dû prendre le sorcier de glace, je sais pas. Ouais, non, c'est bon. J'ai le sorcier électrique. Ah, j'aurais dû prendre le dragon Tidéo au cas où s'il a le golem. Sauf que finalement, j'ai une tombstone. Du coup, ça va très bien défendre. J'ai les flèches parce que j'ai pas énormément d'anti-aérien. Ok, non, j'ai un bon deck. J'ai un très très bon deck. J'ai un très très bon deck. Ok, c'est parti. On est contre Ikari. On va voir si c'est vraiment un mec qui carry ou pas. Petit électro-sorcier, fond de map. Il a un bébé dragon. Pas de problème. Hop là, les flèches qui font le café. Est-ce qu'on a
est-ce qu'on serait pas très agressif sur cette game? Je pense qu'on va être très, très agressif. Sortir la nuit fond de map. Et là on va mettre un électro géant. Bon alors on est très agressif. Ah merde. Oh, j'avais pas vu qu'il pouvait avoir le zappy. Ok, en vrai j'ai le sort de foudre. Trop tard. Ok, en vrai ça va. J'ai ce qu'il faut. J'ai l'électro. Ok, il a pris les cochons, je m'en doutais. Ah mais oui, j'ai l'électro. Ben oui, en fait j'ai l'électro. Par contre, il a le séisme. Ah, ces cochons, j'ai pas ce qu'il faut pour les défendre. Merde. Oh merde, ça c'est double merde. J'ai plus d'élixir, poteau. Arrête de taper là, c'est bon. Mais comment il a autant d'élixir lui? Mais wesh! Oh merde. Oh merde. Les gars, il va m'atomiser. Après là, on va rentrer en double élixir. Double élixir, là, je peux lui faire mal. Il est en train de cycler, hein. Il est fort, hein. Parce que là, il a déjà cyclé ses cochons. Voilà, il va sortir un zappy, c'était sûr. J'ai le sort de foudre. Oh non, je suis deck, frère. Il a eu le temps de taper. Ouah, gros. J'ai trop mal placé ma tombstone. Voilà, ça sent très très mauvais. Hein. Les gars, il m'a atomisé. Il a plus qu'à séisme. Ouais, il le sait, hein. Sinon, il aurait mis son zappy pour défendre. Mais il était mal, là, il a cyclé. Oh, attends. Ouais, non, c'est mort. Là, il va séisme. Putain, il y a pensé. Je me suis dit, avec un peu de chance, il... Oh. Non, mais il a un truc. C'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Mais faut que j'ai électro-géant, en fait, là. Putain, faut que j'attaque. Mais vas-y, frère, je suis obligé de défendre. Aïe, 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 aïe. Compliqué. Oh non, première défaite, je suis deg. Bon, bah, on battra pas Walleouf. Hein. Je voulais combattre Walleouf et finalement, je me tape une défaite. Du coup, je me retrouve à 4 défaites. 4 victoires, une défaite. Bon, bah, on battra pas Walleouf. Walouf, il a 4 victoires, mais il a aucune défaite, lui. Donc, même quand j'aurai 5 victoires, lui, en vrai, il a aucune défaite. Putain. Allez, c'est reparti. Oh, je suis dégoûté. J'arrive, tu perds. Eh bah, quitte le live. Je suis dégoûté. Ok, c'est pas grave, les gars. On reprend. On a une défaite. C'est pas grave. On a le droit à une défaite. Tornade ou bûche? On va prendre tornade. Là, c'est vraiment ces cochons que je pouvais pas défendre. Je suis dégoûté. Hein. Tombstone ou armée de squelettes. On va prendre la tombstone. Comme ça, on a un bâtiment défensif. Le séisme. Séisme. Beaucoup trop fort dans ce défi. La mousquetaire, elle peut bien contrer les trucs qu'il peut avoir. Oh. Cochon, méga chevalier ou gobelin géant. En vrai, là, j'ai un deck un peu cochon, non? Ouais, mais méga chevalier, ça défend trop de trucs. Je prends cochon, frère. T'inquiète, fais-moi confiance. Je vais prendre pour une fois un deck qui coûte pas très cher. J'ai une très bonne défense. Tu vas voir. J'ai une bonne défense. J'ai un deck qui peut cycler. Franchement, ça peut faire carrément le café. Après, moi, je suis pas trop joueur cochon, en vrai de vrai. Mais là, je pense que j'ai fait un bon choix. C'est parti. C'est parti les gars. Oh merde, il a pris. Il a vraiment pris le molosse de lave là.
Magnifique, le sorcier, il est focus. Oh merde. Tuer le sorcier. Oh non, le sorcier, il a tué mon gobelin sans bacane. Je suis dégoûté. Ok, bon. Purée, le sorcier, il a fait trop le taf, là. Ah, j'aurais peut-être pas du gobelin sarbacane, j'aurais du cochon, non? Allez, fais demi-tour. Voilà, comme ça, il meurt. Il a juste mis un petit coup. Je vais pas cochon séisme maintenant, mais je sais... Purée, il a une Tesla pour défendre. En vrai, heureusement, j'ai pas pris méga chevalier. Parce que sachant... qu'il a un deck molos, le méga chevalier, il m'aurait servi limite à rien. Mais du coup, la pierre tombale non plus. Il m'arrange pas de ouf son deck. Hein. Vous pensez comment là, le chat? Je gagne ou je perds? Pas tout faire pour gagner. Hein. Ok, il a boule de feu. Son sorcier va faire un peu mal. Moi j'ai déjà cyclé, lui il a pas cyclé sa Tesla. En vrai pas dégueu hein. Allez gobelin sarbacane, fais le taf s'il te plaît. Ok, il va mourir mais c'est pas grave. Là t'envoies cochon séisme. Allez le cochon. Le cochon qui va aller taper directement. Putain, il a juste mis un coup ce con. Ah en fait le... J'ai rien dit, le méga chevalier il aurait fait grave le taf. J'ai pas ce qu'il faut là pour défendre. Ok, je m'en sors bien les gars. Je sais pas s'il a récupéré sa Tesla, je séisme. Oh, il a pas sa Tesla. Oh, la mousquetaire qui tape en plus du cochon. C'est bon, c'est gagné. Wouhou! Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il va faire que gratter à la boule de feu en fait. Il a pas eu le temps, frérot. Il a posé son molos et je lui ai envoyé un rush du futur. Il a pas pu défendre. Il a pas pu défendre. Tu vois, comme quoi, en vrai, les decks qui coûtent pas beaucoup d'élixir, ça peut te faire gagner, hein. Parce que là, le fait que lui, son deck, il coûtait cher et pas moi, il avait la Tesla pour défendre le cochon, mais il avait pas le temps de la récupérer. Ce qui s'appelle cycler plus vite, en fait. Mais voilà. Ok, ouais, il choisit vite le mec en face, wesh. Il choisit trop vite, le frérot. Il est en aléatoire. Bam, 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 bam. Alors. Sorcier, sorcier électrique. Pff, alors là, j'avoue, je sais pas quoi prendre. On va prendre le bébé dragon. Tornade, ça passe bien. Tombstone, depuis tout à l'heure je la prends, ça se passe plutôt bien. Séisme, ça m'a carré la game, là on va pas se mytho. Gobelin, ça m'acane, je le prends tout le temps, frérot, il est trop fort. Oh, il a golem. En vrai, j'ai la tombstone, j'ai le gobelin sarbacane. Je pense que... Après, je pense qu'il va prendre méga chevalier. Cavabélière, elle est très forte. Petit chevalier histoire de tanker, coûte pas trop cher. Oh, bah c'est bon. Bah c'est bon. C'est ce qu'il me fallait, frérot. Par contre, il pouvait avoir une TDE, lui. J'ai vu qu'il pouvait prendre une TDE. Donc la TDE, ça va pas m'arranger. Après, au pire, je peux gratter au séisme. Oh merde. Ah, je savais. Je vous ai dit, il va prendre le méga chevalier. Les gens, ils prennent jamais le golem, en vrai. Je sais pas pourquoi les gens, ils aiment pas le golem. Non, en vrai, il coûte cher. En vrai, je comprends, mais... Ouais, mais ça T2 maintenant. Ok, j'ai la tornade pour défendre le feu à squelette. Je l'ai mis... un peu trop tôt, ouais. Bon, ça va, ça change rien. La TDE, elle va tomber. J'attends qu'elle tombe. J'envoie ma petite cavabellière. Mon cavabellier, pardon. Hop là!
Comment il défend? Ah ouais, il défend, bordel. Il en envoie de la défense. Ça marche plutôt bien. Je pense qu'on va PK. Hein. Est-ce que son artificier active la tour du roi là? Non. Oh, dommage. Dommage, sauf que du coup là, mon PK il va prendre plein de coups. Ah, oh, je suis dégoûté, j'ai mis le pire PK du siècle. Dis-moi qui tue au moins là. Ouah, frère, c'est trop. Et elle, c'est trop. Oh, mais non, j'aurais pas dû. J'ai surdéfendu là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il joue pas. Donc en vrai, j'ai trop d'élixir. Putain, je sais pas quoi faire. En fait, j'ai un deck moi. J'attends qu'il attaque pour après défendre. Mais je sais pas, il est trop loin à attaquer le poteau. Ok. Hop là, la cave à Bélier qui va faire le taf. Là, je perds beaucoup d'élixir. Hein. Je pense qu'il va mettre la DDE. Et son deck, il s'y quand même vite. Bon, la TD, elle a bien défendu. Hein. En vrai, je dois gratter au séisme, les gars. Aïe! Les squelettes, frère! Putain, j'aurais dû... Oh, fais chier. Hey, il arrive à mettre la pression. Aïe. Oh, fait chier. La cavalière, elle est arrivée trop tard, ça a tapé. Oh, je suis dans la merde, là. Oh, fait chier. Il a réussi à me mettre la pression, frérot. En fait, son fût à squelette, il a pété trop tôt. Putain, il a... Eh, sa TD, elle carry sa game, hein. Allez. Putain, la T2, elle veut pas die. Là, normalement, il l'a plus, là. Il la récup, là. Allez. Oh, la cavalière qui fait un peu mal. Ok. Ok. Elle a pas eu le temps de remettre un coup, c'est dommage. Ah là, il le sait, là. Là, il le sait, hein. Ah là, c'est plus des lol. Oh, le gobelin Sarbacane qui fait... Pourquoi j'ai mis un PK? Tu m'expliques pourquoi j'ai mis un PK? Je sais pas pourquoi j'ai mis un PK, frère. J'ai fait le pire move de ma vie. Ok, en vrai, le PK, il a un peu défendu le méga chevalier, du coup. Il gratte, hein. Attends, il a la boule de feu. Mais non. Il a la... Mais je suis foutu, frère. Il a la boule de feu. Oh, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Oh non, mais les gars, on se retrouve avec deux défaites là déjà. Oh non, frère, c'est trop. 5 victoires, 2 défaites. Je suis nul, je suis mauvais. Dommage. Ah ouais, là, je suis dégoûté. Hein. Purée, t'as pas mis ton PK assez souvent. Mais en même temps, il avait la TDE. Et le PK, il coûtait trop cher, alors qu'il fallait que je chique mon cava bélier. Sa TDE, elle a trop carré, je suis dégoûté. Ouais, là j'ai pas d'excuses, hein. J'ai perdu, j'ai été mauvais parce que j'avais quand même un bon deck. Fait chier quoi. Il m'a fait un push qui est passé, ça m'a tout niqué. Ah, pêcheur il est fort mais je sais pas trop. Allez, on est là pour s'entraîner frérot, on va prendre le pêcheur. Machine volante, let's go.
Il peut avoir le gobelin Sarbacane qui risque d'être un peu relou. Ça, c'est pas mal pour défendre de ce qu'il pouvait avoir en face. Ça va partir sur la tornade. Oh! C'est pas des choix de ouf là. Hein. Électro-dragon. Oh bordel. Frérot, je suis audacieux. Tu sais quoi, je suis audacieux, frère. Je suis audacieux. On tente. Golem d'élixir, pourquoi pas? Pourquoi pas, frère? Golem d'élixir, électro-dragon, machine volante, ça peut faire mal. Je suis audacieux. Les gars, je suis pas du tout serein. Mais je pense que là, pour de vrai, le golem d'élixir, c'est ce que j'avais de mieux à prendre. Oh merde, mais qu'est-ce que j'ai branlé, là? Bon. Ça passe. Dis-moi que la pierre tombe à la... Let's go, elle meurt pas. Comme ça, la voleuse, elle va mourir. Le gobelin Sarbacane, il va mourir. Les sapeurs, ils vont mourir. Il a pas l'air méga fort, le mec en face. Parce que là, les sapeurs, c'était le pire move de les poser. Et là, mec, ça peut faire très mal, ce que j'en vois. Hop là. Comme ça, on défend ça. Le golem d'élixir, il part. Ok. Oh, ça tape, hein. Ouais, ça tape, frérot. Le canon, il est sur la tour. Bah oui. Par contre, là, il y a un contre-push qui va faire un peu mal. C'est ça, en fait, le problème du... Du golem. Ah, là, je suis mort. Ah, là, je prends trop cher, là. Oh non, j'ai mis la tornade trop tôt, je suis dégoûté. Ok. Frérot. Oh non. Je perds ma tour. Là, je lui donne de l'élixir gratos. Putain. J'ai un peu le seum, j'ai un peu le seum. Wesh, 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 wesh. Oh, mais j'arrive pas. Je joue trop mal ma tornade, bordel. Allez, l'électro-dragon reste en vie, poteau. Voilà. Ok, il a mis qu'un coup, c'est de la merde. Putain, il me met trop la pression. Ah mais elle partait de l'autre côté, je suis deg. En vrai j'ai de quoi défendre mais je sais pas, je défends trop mal. Voilà mec, bah là je suis foutu hein. En fait j'ai trop de cartes que je connais pas les gars. La moitié des cartes de mon deck je sais pas les jouer. Ouais c'est mort. 3 défaites poteau. Mec, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Je me disais, tournoi tirage triple. C'est un tournoi fait pour moi. J'ai tellement joué en tirage triple que j'ai une expérience. Je vais gagner. Je vais aller loin. Dégoûté. Bon les gars, on se reprend. On se reprend. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En vrai, je vais prendre des cartes que j'ai jouées. Là, j'avais trop de cartes que j'avais pas jouées. Pêcheur, j'avais pas joué. Électro-dragon, je le joue très rarement. Golem d'élixir, j'ai pas joué. Il y a trop de cartes que j'avais pas jouées. J'ai tenté, c'est pas passé. Qu'est-ce qu'on prend là? Sachant qu'il peut avoir trop de trucs. La fournaise c'est chiant, la cabane de gobelins c'est chiant.
On va prendre mini PK quand même. J'espère j'aurai le séisme. Ça, ça peut bien contrer la fournaise. Électro-dragon, c'est pas mal. Sachant qu'il peut avoir un dragon TDE. Les flèches. Le séisme, je suis trop content de l'avoir. C'est parfait. Je le voulais. Ah, fait chier, il peut avoir dragon TDE. Bon, je prends Zappi quand même. Au cas où. Enfin, il peut avoir l'électro-dragon, je crois. On va prendre les chauves-souris. Mais attends, mais. J'ai rien là. Mortier. J'allais pas prendre le ballon là. Waouh, j'ai un deck poteau. J'ai rien. Je sais pas, il me manquait un tank, un truc comme ça. Moi j'ai trop besoin de tank dans mes decks. Eh, le feu à squelette. J'ai l'impression que c'est mon némésis. J'arrive pas à le défendre. A chaque fois, il y a un feu à squelette en face et moi j'ai une tornade. A chaque fois, il me fume la gueule. Ok. J'ai envoyé le Zappi, je sais pas si j'ai bien fait. Parce que lui, s'il a un électro géant. Après, le mini PK, il défend trop bien l'élé. Oh merde. En vrai, son cimetière, il est merdique. Hein. Ok. En vrai, attends. Le mortier va faire le taf. Le bully, je suis pas sûr que c'est ce qu'il y avait de mieux à mettre contre le Zappi. Le mortier, il est toujours là. Le mortier, il gratte. C'est pas mal, hein. Eh, mais le mortier, en vrai, j'ai l'impression que ça. Oh là 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 là, magnifique cette défense sur le mortier. Le mortier, en fait, les gens, ils ont du mal à le défendre. Parce que c'est un truc, t'as envie, il faut le défendre rapidement. Et comme il coûte que 4 d'élixir, tu peux facilement l'accompagner. En vrai, il est fort le mortier. Merde. On envoie un mini PK. Hein. Oh merde. Et son archer magique, il me rend ouf là. Par contre, il a un vrai deck lui. Il a un deck bully cimetière. Ah mais là son archer magique il me rend ouf frérot. Putain. J'ai rien pour fumer son archer magique en fait. Là je pense qu'il va vouloir mettre un boulist. Un canon. Ah ouais ça marche bien. Hop là. Là j'ai ce qu'il faut pour défendre. Ça repart direct avec un mortier. Il va vouloir mettre un canon ou quoi, non? Magnifique. Le mini PK qui pré-shot. Le bouliste, il touche pas le mortier. C'est bon. C'est une victoire. Ouh, je me suis fait des frayeurs, mais ça passe. Ah, je me suis fait peur en vrai, on va se dire la vérité, hein. Ok les gars, 6 victoires, 3 défaites, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas catastrophique, hein. Mais c'est pas ouf. Je m'attendais à mieux de ma part, quoi. Je suis un peu déçu de moi-même. Mais vas-y, on peut rattraper. On peut rattraper, il y a juste à plus perdre. Ok. Il peut avoir bouliste ou Zappi. Bon, pour l'instant, je vais prendre ça. La mamie sorcière, je sais pas trop la jouer, je t'avoue. Le prince, il peut bien carry contre le bouliste. Oh bordel, je prends quoi là? J'hésite à prendre le ballon. Parce que j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup d'anti-aérien. Mais j'ai vu que 2 cartes. Parce que s'il a le Zappi, ma cavabellière, enfin mon cavabellier, il va se faire défoncer. Hein. Bon. Je prends cavabellier, frérot. Faut que je fasse un deck que je connais. Il peut avoir les cochons. On va prendre ça par sécurité. La sorcière. La tornade.
Ok. Et la boule de feu, frère. Comment ça, j'hésite? S'il a les cochons royaux, la boule de feu, elle va me carry. Ok, c'est parti. J'espère qu'il a pris les cochons royaux parce que du coup, j'ai la boule de feu. Et ça peut faire le taf. Allez, c'est parti. Et j'ai les deux sorcières, j'ai la... Oh, super. Ah ouais, c'est un mec comme ça, lui. Ah ouais, il a pas le temps, frérot. Il a pas le temps. On envoie un prince, hein, on va voir comment il défend. Ok. Je pense qu'il a un truc. Oh non! Putain. J'aime pas les games qui commencent comme ça. J'aime pas les games qui commencent... En vrai, c'est pas si grave. Les gars, c'est pas si terrible. La tour du roi, l'activer, c'est chiant, mais c'est pas ça qui va me détruire ma game. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, là, ça peut faire mal, hein. Il a pris le zappi. C'était sûr. Oh, wesh! Oh, le zappi! Il a fait pile ce qu'il va aller faire. Je suis dégoûté. Voilà, parfait. Maintenant, la tour, elle va le fumer normalement. Voilà, parfait. C'est une très bonne défense sur le zappi. Ok, on va renvoyer un prince, hein. Oh. Oh, le bâtard, il a pré-shot. Je pré-shot. Oh. Comment ça, ils sont pas morts? Je suis dégoûté. Oh, dommage, mon pré-shot, il était presque parfait. Il va renvoyer un zappi, tu crois? C'est sûr. Je remets la même technique d'attaque. En vrai, c'était passé. Je pense qu'il va redéfendre avec un zappi. Ah, même pas. Oh, il a bien défendu, eh. Putain. Il va me regratter. Et pourquoi je l'ai mis là, le prince? Je suis con. Il va roquette. Bah oui. Vas-y, je le laisse armé de squelette. C'est pas grave. Je vais pas aider mon prince. Là, le fait qu'il ait mis une roquette, je vais en profiter. J'envoie la sauce. J'envoie la sauce, poteau. Ouais, j'ai une armée de chauves-souris, frère. Attends, mais c'est incroyable, là. Attends, mais les deux sorcières... Ah ouais, mais la Valkyrie, elle a tout détruit. La Valkyrie, elle a tout détruit. Ok. En vrai, regarde là. Il a mis son armée de squelettes. Oh non, le zappi, il tape le prince, vraiment. Oh, vas-y, je suis dégoûté. Hop là. Oh! Je voulais pas du tout pré-shot l'armée de squelettes. Je suis un putain de chatteux. Je voulais pas du tout pré-shot l'armée de squelettes. Je voulais juste endommager les gobelins sarbacanes. Enfin, les gobelins à lance. Je suis méga refait. Bon, bah là, les gars, ça part en boule de feu tornade. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Attends, ça finit ou pas la tornade? Ça finit pas, frère. Oh merde. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a été trop lent. Il a été trop lent à réagir. Oh, et ah non, dommage. J'ai cru la cavabellière allait finir, mais pas du tout. Ouh. Allez, les gars. 7 victoires et 3 défaites. C'est pas mal. Allez. En vrai, go viser les 15 victoires. 15 victoires, bah, c'est dur, hein. On n'a pas un bon ratio pour 15 victoires, mais on peut. On peut revenir. Allez, les gars. Bon, il peut avoir l'électro-sorcier et l'électro-dragon. Je vais pas prendre le dragon TDE. On va prendre le bourreau. Il a l'air de bien réfléchir ses choix en face. Gobelin sarbacane, ça fait grave le taf. Ah, mais je crois qu'il va prendre l'électro ou l'électro-dragon. Est-ce que je prends le zappi? En vrai, le zappi, il fume le bouliste, mais... En vrai, zappi en défense. Au pire, il arrivera... Mon zappi, il attaquera pas, mais zappi en défense, c'est très bien. Oh, bordel.
Déjà, j'espère pas qu'il prend le molos. Je prends quoi là, les gars? En vrai, le golem d'élixir avec un zappi derrière, un gobelin sarbacane. Ou juste bourreau gobelin sarbacane. Bélier de combat. Non, bélier de combat, j'aime pas du tout. Je prends golem d'élixir. Fais-moi confiance, frérot. Putain, je suis trop long à choisir. Je suis beaucoup trop long à choisir. Ok. Ok, 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 ok. Bon, du coup, j'ai choisi les derniers trucs, mais j'ai pas trop vu ce qu'il pouvait prendre. Ok, on va jouer la défense. Et quand j'aurai bien défendu et que mes trucs ils vont partir en attaque, je mets un petit golem d'élixir devant et ça fait le taf. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit on va jouer la défense. Ok. Oh, en plus j'ai la guérisseuse avec le golem d'élixir hein. Golem d'élixir guérisseuse, c'est un combo connu hein. Mais frérot, il veut pas attaquer le poteau. On tente hein. Putain mais ils sont boulistes. Ah ouais. Alors là je voyais pas ça comme ça, je te dis la vérité. Je voyais pas ça comme ça les gars. Non. Oh le problème c'est que là le zappi va prendre trop de temps. Oh fais chier frère. Est-ce que je tente? Allez 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 gobelin sarbacane là. Oh là là. Mais il a tout frère. Mais wesh. Mais ouais, on a compris que tu l'avais ma tour maintenant. Défense. Mais ouais, mais... Je suis dégoûté, frère. Mais c'est vraiment un chien. Là, il a trop pris la confiance. Je te le dis, là, il a trop pris la confiance. À partir de maintenant. Putain mais son bouliste il est trop fort. Mais frérot. Mais frérot, je peux rien faire. Mais attends mais mec il a le meilleur deck du jeu. Mais ah mais. Mais vas-y c'est trop. Eh vas-y je suis dégoûté. Bah c'est bon j'ai compris que j'avais perdu. Cherche pas, je te laisserai pas me 3 couronnes. Il va me 3 couronnes. Le séisme. Mais les gars, le séisme, ça fume jamais le bouliste. Oh non. J'ai plus le droit qu'à une défaite, là. Ok. Je suis dégoûté. Je vous le dis, hein, je suis dégoûté les gars. 7 victoires, 4 défaites. Je pensais vraiment que j'allais aller plus loin. En vrai, c'est pas dégueulasse. Tu t'es fait laver là. Voilà, je me suis fait vraiment laver. Je me suis fait vraiment laver. Après, le mec en face, il a été vraiment fort. Bref. Bon, on prend quoi? On va prendre les gardes. Ensuite. Vu ce qu'il peut avoir en face, les barbares d'élite, ça sert à rien du tout. On va prendre un truc qui coûte pas très cher, le canon. Oh! Valeur sûre. Le golem. Le golem, valeur sûre. Ok, petit gobelin sarbacane, j'aime beaucoup. Séisme, ça accompagne très bien le golem. J'ai pas beaucoup d'anti-aériens. En vrai, vu ce qu'il peut avoir en face, c'est mieux la mousquetaire. On va prendre ça.
La Valkyrie. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, les gars. Non, l'artificière, wesh. L'artificière, moi, je l'aime. En fait, je trouve qu'elle est chiante à défendre, mais je l'aime pas. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas une carte que je kiffe jouer, en fait. Il a dit ça accompagne bien, mais il l'a pas posé la dernière game. Parce que la dernière game, il défendait... En fait, les gars, le séisme, c'est vraiment pour défendre les bâtiments. Ça fait un peu des dégâts aux troupes, mais vraiment pas beaucoup. Du coup, séisme sur un bullet, ça sert à rien du tout. Alors que séisme sur un... sur une TDE... T'as vu, ça fait mal à la TDE. Séisme sur un... sur une tour à bombes, sur un... Ok, il est pas con, hein. Il m'a vu mettre une Valkyrie, il s'est dit c'est le moment de mettre un cimetière. Mais ça passe pas. Oh, il va devoir un peu défendre des deux côtés. Ok, il a mis un bâtiment, du coup c'est pas con. Ah, ça passe, hein. Oh, le gobelin Sarbacane, frérot. Il a fait mal. Et là, on part avec un golem, les gars. Je suis très bien. Ah ouais, c'est un mec comme ça, lui. Putain, gros, il envoie un... N'empêche, il est audacieux, hein. Le frérot, il envoie un golem agressif. Enfin, il envoie un cimetière agressif alors qu'il a un golem sur sa tour. Et il a pas froid aux yeux. Par contre, là, il est dans la merde, hein. Oh, il a défendu les gardes, mais pas... Ah ouais, non, bah là, il est foutu. Là, il est foutu, les gars. Là, c'est fin du match. Fin du match, poteau. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique, le 3 couronnes. Ok, c'est bon. Je reprends espoir. Je reprends espoir. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, là. Allez. 8 victoires. J'ai plus le droit à l'erreur, par contre. C'est horrible, frère. J'ai plus le droit à l'erreur. Sorcier de glace ou gobelin Sarbacane? Oh, j'hésite. Non, gobelin Sarbacane. Oh là, j'aime pas trop les choix que j'ai. Ça va partir sur électrocuteur. Boule de feu ou foudre. En vrai, la roquette, hein, pourquoi pas. Sachant que je crois qu'il pouvait avoir sorcier. Non, en vrai, boule de feu. Je crois qu'il pouvait avoir archer magique aussi. On va prendre la boule de feu. Oh, frère. J'ai en royal. Bûche. Tour à bombe ou barbare? Tour à bombe. Armée de squelettes. Et... prince. Ok, j'espère qu'il a pas pris l'électro-géant. Parce que je me sens pas très bien pour le défendre là, l'électro-géant. Enfin si, en vrai j'ai les électrocuteurs et le prince, mais c'est tout. Ok, attention les gars, duel. Prince ténébreux contre prince, qui gagne? Je crois que c'est le prince ténébreux qui... Oh, fait chier, il l'a pris. C'était sûr, en vrai. Oh là là, fait chier, poteau. Ok. Bon, on a vu comment je pouvais le défendre. J'avais pas ma tour à bombe. Mais c'est pas fameux, fameux, hein. Là, je pense que si j'envoie un géant royal, il va envoyer des barbares d'élite ou quoi. Putain, j'ai rien. Vas-y, on va aller le faire chier. Hein. Ok. Putain, en fait, j'ai pas grand-chose pour aider mon géant. En fait, j'ai le gobelin Sarbacane. Sauf que à chaque fois il va le flèche mon gobelin Sarbacane, c'est sûr. Il a les flèches. Magic.
Je tente. On va voir ce que ça donne. Ah, fait chier. C'était sûr, ils les avaient pris, eux. Putain, mais eux, pour défendre le géant royal, ils sont trop forts. Oh, la princesse, elle reste en vie. Je suis deg. Ah, le chien. Les gars, je suis pas serein sur ce combat. Hein. Ok, séisme. Je rêve où il va vouloir me gratter au séisme, là. Ok, mon gobelin Sarbacane, il reste en vie. Plus pour longtemps. Les électrocuteurs, ils vont l'empêcher d'avancer. Il met son séisme, il n'y a pas de problème. J'envoie un géant royal. Là, il va envoyer... Oh, il envoie les gardes, ok. Ok. Let's go! Let's go, les gars! Putain, j'étais pas serein, mais on l'a fait. Ah, je suis content. Waouh, frère, il avait barbare d'élite, électro géant. Il avait un sale deck, hein. Ok. Pas dégueu. Bon, les gars, en vrai, 9 victoires, ça passe, hein. Ça passe. On commence à arriver dans un bon taux de victoire. Mais vas-y, à chaque fois, je vise 20 et je me retrouve à 10. Ok, ça part sur un petit séisme. Oh, bordel. Cava bélière ou géant, il a en face. Je prends quoi, fût à gobelin ou cimetière? Ou mortier, en vrai. On va prendre fût à gobelin. On va prendre ça. Gobelin Sarbacane. Faut que je fasse un deck lockbait, en fait. Voilà, c'est bien. Bon. J'ai un deck... en vrai, j'ai armée de squelettes, gobelin Sarbacane et feu à gobelin. Du coup, je peux le faire chier, en fait. Ah, il a pris... ok, il a pris gobelin géant. Ok. Je m'attendais pas à ça. Ok, il a la boule de feu pour le gobelin Sarbacane. Ah mais même pas, en fait, il a raté. Ok, il a bûche, parfait. Parfait. Il a rien, il a la Valkyrie. Sauf qu'en plus il l'a mal posée. Il aurait pu la poser mieux que ça. La Valkyrie, quand quelqu'un te met un feu en gobelin, si tu la poses là au milieu devant la tour, et bah ça fume déjà deux gobelins. Aïe. Ouh, c'est bon, le dragon. Oh merde. Oh, sa boule de feu, elle était trop bien jouée. Oh, je suis deg. Et là, il va bûche en plus. Et il bûche pas. Ah, mais il a plus d'élixir. Ok, en vrai, c'est bon, j'ai sa tour. En vrai, j'ai sa tour aussi. Sauf que le problème, c'est que lui, pour prendre ma tour du roi, il a un deck qui est mieux pour prendre une tour du roi que moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, mais il joue même pas bien en plus. Il place mal ses troupes et tout. Genre moi, en fait, le problème de prendre la tour du roi, c'est que... Enfin, pas prendre la tour du roi, mais... Attaquer alors que la tour du roi, elle est activée, c'est chiant. Parce que la tour du roi, elle va défendre le feu à gobelin.
Alors que lui, il a un gobelin géant, donc tu sais, c'est moins impactant. Ouais, il envoie des vrais push quand même, hein. Pas que j'oublie de fumer sa tour. Je pense qu'il va falloir que je gratte au séisme, hein. Je tente un truc. Ah ouais, il a ce qu'il faut. Putain, dire que lui, sa game, elle se joue sur un move, gros. Je suis dégoûté. Sa game, elle se joue sur le... sur l'électro-dragon. Oh, fait chier. Et vas-y, je gratte au séisme, hein, frérot, je suis obligé, hein. Je vais essayer de bait la bûche. Oh, nice! Bon là, normalement, il est pas con, il va s'y attendre. Ah oui, il a gratté rien du tout, le gobelin Sarbacane. En plus, mon gobelin Sarbacane, il est trop important en défense. Donc là, j'ai fait un peu de la merde. Ok, ça passe. Putain, le séisme, il m'a carry encore une fois, hein. Et c'est pour ça que je vous dis que le séisme, il est trop fort dans ce défi. Parce que le séisme, il fait beaucoup de dégâts à la tour. Et quand il n'y a personne qui arrive à passer comme ça, le séisme, il sauve la game. Ouh, purée, j'ai eu chaud, hein. J'étais pas serein. Ah, j'ai vu le dragon de l'enfer prendre ma tour. Je me suis dit, c'est fini. Allez, 10 victoires. Allez, les gars. 10 victoires, là, on perd plus. On perd plus. À votre avis, je vais à combien de victoires, le chat? Faut pas que je m'ambiance trop, parce que là, à tout moment, je perds cette game. Allez, hop, artificière. Bûche, il a la princesse. Oh, golem. C'est ta dernière. Ah, les bâtards, là, tu perds. Non, dites pas ça, les gars, wesh. Allez, Zappy. Allez, tu sais quoi, Zappy? En plus, let's go. Lui, il a rien en face. Par contre, il peut avoir un dragon de l'enfer. On va clairement prendre l'électro. Oh là 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 là. Mais frère, j'ai mon deck en fait. Boule de feu ou séisme? Séisme. Frère, j'ai un bon deck. J'ai un deck qui coûte cher, mais j'aime beaucoup. Mais ouais, il coûte cher, quoi. Il est bien en double élixir. Genre là, t'as vu, je peux pas faire grand-chose. J'envoie un golem direct, tu crois? Là, le problème, c'est qu'il m'envoie un push. Bah ouais. Bah, voilà. C'est ça. Putain, j'ai défendu pour... Oh frère, ça y est frère. Aïe aïe aïe, j'aurais pas dû envoyer golem. Ah, j'aurais pas dû envoyer golem dès le début. Je le savais en plus. Fais chier gros. Oh, il joue bien en plus. Il a activé la tour du roi, il est intelligent.
Oh, fais chier, frère. Ok, pas méga ouf. Pas méga ouf ce début de game. La dernière. Ouais, là j'avoue que ça sent un peu la dernière. Je te dis la vérité, poteau. Ok, en vrai là. Dis-moi que la roquette. Ah, dommage. Il va vouloir me 3 couronnes quand même. Il sait pas que j'ai la Valkyrie. Je pense qu'il va mettre les recrues royales. Sauf que la Valkyrie, elle peut faire mal. En vrai, attends. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il fait là? Chavez. Oh, l'électro-dragon, il arrive trop tard, le poteau. Oh, fais chier. Ouais, non, c'est mort, les gars. Oh non, j'ai trop le seum. Oh, vas-y, frère. Je pensais pas, mais son dragon de l'enfer, il carry sa game. Son dragon de l'enfer de mort, là! Putain, il a recru... Oh là là, je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. C'est fini pour moi, le défi. 10 victoires. Je suis pas fier de moi. C'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Mais pour moi, je pouvais faire beaucoup plus. Théma, il y a tout le monde au-dessus de moi, wesh. Tout mon clan, il a fait mieux que moi. Je suis dégoûté. Aïe, 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 aïe. Bon. J'ai même pas assez de gemmes. J'ai combien de gemmes? Purée, j'ai même pas assez de gemmes. J'ai même pas assez de gemmes pour les récompenses. Attendez, j'ai oublié un truc de ouf. Oh, j'ai oublié un truc de ouf. Je viens de me rappeler d'un truc de ouf. Les gars, eh, vous savez quoi? C'est pas grave. Eh, mon tournoi tirage triple, il s'est pas passé comme je l'avais prévu. Je pensais que j'allais faire plus de victoires, mais au moins j'ai compris des erreurs. J'ai compris beaucoup de mes erreurs. C'est que je suis pas assez patient et c'est vraiment important. Ça m'a coûté la dernière game. La dernière game, c'est parce que j'ai posé mon golem alors que je savais qu'il fallait pas le poser. Mais je me suis dit, vas-y, flemme, je le pose. Faut que je prenne des cartes que je connais. Si je sais pas jouer mon deck, ça sert à rien, frérot. Je vais rien pouvoir faire. Voilà. Enfin bref, il y a pas mal d'erreurs que je vais corriger. Vous inquiétez pas, les gars. Mais attendez, vous allez voir. Ah non, vous allez voir pourquoi je suis content. Vous allez voir pourquoi je suis content, les gars. Les gars, vous allez voir pourquoi je suis content. Je suis trop content. J'ai reçu un truc. Oh là 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 là. Alors là. Les amis, j'ai reçu un colis. J'ai reçu un colis plutôt sympathique. Je me suis pas spoil. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais j'ai vu un truc. Vous allez voir. Vous allez vite comprendre. J'ai pas ouvert encore. Hein. J'en ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf que j'ai vu ça. Est-ce que vous captez c'est quoi? Oh là. Oh, mec, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Oh, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Frérot. Mais attends, mais mec, c'est une dinguerie. Frérot, c'est incroyable. Les gars, j'ai reçu ça de la part de Supercell. Mec, c'est... Non mais là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
Je vous le dis. Attendez, je vais le mettre derrière, Je vais le mettre sur ma chaise. Je crois qu'il passe même pas sur ma chaise. Les gars, c'est incroyable. Je l'ai pas encore ouvert. Bah, de toute façon, vous voyez, hein, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Vraiment, j'en ai aucune idée pour de vrai. Tout ce que je sais, c'est que j'avais ouvert le colis en mode, tu sais, le gros carton, je l'ai ouvert en mode... Bah c'est quoi, j'ai reçu un... T'as vu, j'étais comme ça, oh, j'ai reçu un petit colis, tiens tiens, on va regarder ce qu'il y a. J'ai vu le coffre gros, j'ai fait ça faut que j'ouvre en live. Frérot, on va ouvrir un coffre que Supercell m'a envoyé. Oh, c'est trop bien. Vous pensez qu'il y a de l'or dedans? Mec, j'espère qu'il y a au moins 8000 pièces d'or. Oh, c'est mon rêve. Incroyable les gars, c'est un banger. Merci Supercell encore une fois les gars. Le live est sponsor Supercell. Si jamais il y a un lien dans la description pour télécharger le jeu, si vous n'avez pas Clash Royale. Voilà, je pense que le chat vous avez déjà le jeu, mais on sait jamais. On sait jamais. Les gars, c'est parti ou pas? Obligé, il y a des gemmes. Oh j'avoue, imagine il y a des gemmes, des diamants. Imagine il y a des vrais diamants, de l'émeraude genre. Brawl Tom, merci pour tes 5€. Merci beaucoup. Voici un peu d'argent pour te payer un nouveau Jogo parce que hier tu l'avais déjà pendant le tournage. Mais frérot, j'aime trop cette, cet ensemble, je l'aime trop. J'aime trop mon ensemble. Bref, c'est parti les gars. Il y a GMK dedans, c'est sûr. Oh, oh mais il s'ouvre comme ça. À votre avis, il y a quoi dedans? Oh là 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 là. Et là, au montage, je veux une lueur de ouf dans le coffre. À votre avis, il y a quoi dedans? Ah, mec, j'ai trop envie de l'ouvrir. Non, mais en fait, j'ai trop envie de l'ouvrir. Mais une fois que je l'aurai ouvert, je l'aurai ouvert, quoi. J'ouvre ou pas? C'est bon, j'ouvre. Allez, j'ouvre. Aurélien, merci pour tes 10 francs suisses. Eh, les gars, on s'abonne, on met un pouce bleu et j'ouvre. Quand même, non mais j'ouvre pas gratuitement comme ça. Il faut quand même que, hein. Ouvre enculé. Eh, 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 les gros mots. Les gros mots. C'est parti. Oh. Attends, mais là, il y a pas mal de trucs là. Oh. Il y a un truc avec écrit. Oh, ton. Mec, c'est un banger. C'est... J'ai vu un truc. J'ai vu un truc qui a écrit. Lord Michou. Oh là 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 là. Mais attends. Oh. Mais je rêve. Mais. Les gars, est-ce que vous la reconnaissez? Oh. Oh. C'est incroyable, frère. Il y a écrit Michou sur la couronne. Non, là, c'est trop. Là les gars c'est un banger, là c'est incroyable. J'ai une couronne à mon nom. J'ai une couronne Clash Royale à mon nom. J'ai une couronne Clash Royale à mon nom. Mais hé, je sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est la même couronne que qu'on pouvait gagner dans le tournoi d'Inox, que j'ai pas gagné du coup parce que je suis arrivé deuxième. Sauf que là j'en ai reçu une à mon. Non mais là c'est incroyable. Les gars c'est incroyable. Eh mais attends, mais je me rends compte que j'ai vraiment une petite tête. J'adore frérot. Aïe. Et tu sais que je crois que si je veux je peux passer ma tête en entier. Aïe. Non quoi que, je suis pas sûr en fait. Elle est incroyable ou pas? Eh en vrai elle est incroyable. Eh j'ai vraiment une petite tête hein. J'ai vraiment une mini tête, j'ai une tête de gobelin de toute façon. Et comme ça. Ah comme ça elle tient pas. Incroyable, j'adore, mec, j'ai une couronne à mon nom. Non, c'est trop. Et ça, par contre, c'est un... alors ça, frérot, c'est dans le décor direct. Mais alors là, en fait, je sais pas où mettre. Il y a plus le problème, c'est que dans le décor, il y a trop de trucs. J'ai plus beaucoup de place. À la place de. Attends. Attends, je mets de ce côté-là, comme ça, je vois le Michou vers moi. Comme ça, pas mal. Pas mal. Pas mal, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? La petite couronne dans le décor, ça fait plaisir. Ah, ça met bien. Et du coup, il y a deux autres trucs. Oh.
Mec, il y a un parchemin carrément. Il y a un parchemin. Et après, oh, mec, l'intérieur du. Mais par contre, le coffre. Mais déjà, juste le coffre est trop stylé. L'intérieur du coffre, il est en velours, frérot. En velours. Et juste le coffre est incroyable, hein. Juste le coffre, il devrait déjà être dans mon décor, en fait. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Oh, mec, j'ai un vrai parchemin et tout. Oh, t'es mal. Il y a le truc Supercell. Enfin, il y a le truc Clash Royale. Attends, mais c'est trop. C'est trop. On ouvre quoi en premier? Ça, attends, je vous spoil pas. Ça ou le parchemin? On va prendre le parchemin en dernier. Le parchemin en dernier. Hop. Ça, c'est quoi? Ça a l'air d'être un espèce de cadre. Oh, c'est quoi? Mais un. Attends, mais je crois que le parchemin il est en rapport avec le cadre. Mec, j'ai un cadre Clash Royale Lord Michou. Gros, je suis officiellement Lord Michou. Lord Michou, je suis officiellement un Lord. À partir de ce moment, les gars, vous me devez le respect. Là, je vous le dis, Lord Michou, respectez-moi. Maintenant, appelez-moi Lord Michou. Je vais me renommer Lord Michou. Appelez-moi Lord Michou, les gars. Appelez-moi Lord Michou, s'il vous plaît. Mais attends, mais regardez, il y a un truc. Il y a une map avec, genre en mode carte Clash Royale avec la petite goutte d'élixir, la petite étoile, et il y a un lieu, genre. What? Glencowood Island, Scotland. What? J'ai un lieu. On va regarder. Oh mec, ça c'est dard, hein. Oh, ça c'est dard. Les gars, j'ouvre le parchemin. Oh, merde. Merde. Je l'ai déchiré. Je suis vraiment nul. Mais j'arrive pas. J'ai déchiré le parchemin, les gars. Je suis deg. Oh non. Je suis en train de tout niquer. Ça, si ça se trouve, c'est une chasse au trésor. Et à la fin, tu gagnes 1 million d'euros. t'as cru que c'était Mr Beast? Mais putain! Ok. J'ai réussi, les gars. J'ai réussi à ouvrir le parchemin. Bon, je l'ai complètement détruit. Mais je l'ai ouvert. Oh, oh ouais! Ah ouais! Ça rigole pas! Mais pardon! À l'attention de Lord Michou! C'est moi! Lord Michou, mec! Lord Michou! Oh, attends! Je suis Lord Michou of Glencoe! Lord Michou of Glencoe! Les gars, c'est pas n'importe quoi! Lord Michou of Glencoe! Je règne sur le territoire de Glencoe! Je sais pas. Ah, mais c'est ça! Glencowood, Scotland. Et là, il y a le lieu, en fait. Mais attends, mais je suis lord d'une forêt. À tout moment, ils vont me dire que je possède une forêt maintenant. Ils vont me dire, on t'a acheté une forêt en Écosse. Alors, par là, présente lettre. Oh, attends, faut que je lise avec une voix un peu stylée. J'arrive pas à faire de voix stylée, en fait. Je vais pas le faire. Par la présente... Je sais pas lire. Par la présente lettre royale, nous vous informons... Les gars... Attends. Les gars, je crois que je suis un génie. Par la présente lettre royale, nous vous informons que vous êtes l'héritier de la parcelle de terre numéro A716-689 située dans la réserve naturelle de Glencowood, Écosse. Je vous jure, c'est écrit ça, les gars. Je... Attends. Mais j'ai un territoire. J'ai un territoire en Écosse. Mais attends, c'est pas vrai.
en tant que lord de ce territoire. Mais what? Mais quoi? Mais quoi? En tant que lord de ce territoire, il en est de votre responsabilité de vous assurer de sa prospérité et de sa défense en cas de nécessité. Il possède des terres grâce à Clash Royale. Mais frère, mais quoi? Mais what? C'est trop. Les combats font rage dans la région entre les différents seigneurs. Soyez prêts à entrer dans les arènes de Clash Royale pour porter haut l'étendard de vos valeurs. Oh, et restez à l'écoute. D'autres annonces royales pourraient arriver. Mais frère, j'ai un territoire en Écosse là, t'es en train de me dire. Salutations royales, l'équipe Clash Royale. Et il y a un petit truc, Lord of Glencoe. Je suis officiellement le Lord de Glencoe. Mais what? Attends, parce que là je suis. Venez, on regarde sur Google Maps. Non, mais venez, on va voir sur Google Maps. On va regarder c'est où. Mais attendez, mais oh. Tu y crois vraiment? Mais mec, c'est écrit. J'ai une lettre signée Clash Royale qui dit que j'ai un territoire. Mais. Poto, j'ai du mal à m'occuper de Yuki déjà. Tu crois que je peux m'occuper d'un territoire en Écosse? J'ai du mal à m'occuper de mon appartement, frérot. Alors attendez, bam. Ok, les gars, on va regarder Google. Mais attends, par contre, c'est une masterclass. Et en plus, attends, en plus, ils ont dit restez à l'écoute, d'autres annonces royales pourraient arriver. Mais wesh, est-ce que tu t'y attendais que dans ce coffre, il y avait un territoire en fait? Il y a un territoire dans ce coffre. Il y a un territoire en Écosse. Mais frère. Mais tu sais que c'est vraiment une masterclass. Mais c'est vraiment des fous. C'est vraiment des fous. Google Maps. Ok. Alors. C'est écrit là. 56. Comment on fait les degrés? 37. 42.8. N. 5 degrés. Comment j'ai fait le degré? Degré 18 26 point 4 W. Oh, c'est là. C'est bien là. Island Title Nature Reserves. C'est ce qu'il y a écrit sur le truc. Mais frère. Mais oh. Fais un vlog en Écosse pour visiter ton territoire. Mais attends, j'avoue. Mais gros, mais j'ai envie d'aller là-bas. Mais en vrai, j'ai envie d'aller là-bas. J'ai un territoire là-bas qui m'appartient. Mais attends, mais je vais contacter Clash Royale pour en savoir plus, les gars. Et pour de vrai, je vais aller en Écosse et je vais visiter mon territoire. J'ai envie de savoir. Tu es président, je suis Lord. Attends, mais c'est quoi Lord?
Lord. Mais je suis vraiment Lord. Lord définition. Titre de noblesse en Grande-Bretagne. What? Titre attribué à certains hauts fonctionnaires ou ministres britanniques. Qu'est-ce qu'un lord? C'est un titre de noblesse qui signifie seigneur. Non, je suis pas un seigneur, moi. Lord synonyme. Gouverneur, king, leader, master, monarque, seigneur. Mais gros, j'ai envie d'y aller. Hein. Les gars, faut que j'aille en Écosse. Hein. C'est où l'Écosse? Oh, il doit faire froid là-bas. Ah ouais, mais les gars, vous aurez pas pu me prendre un territoire. Je sais pas, moi, au Maroc plutôt. Petit territoire au Mexique, je sais pas, là où il fait beau quoi. Parce que là, Écosse. Le mec, il se plaint. mais attends, mais frère, c'est trop, hein. Donc les gars, sachez que maintenant, à cet endroit exactement du monde, il y a un endroit, c'est mon territoire. Vous y allez pas, vous avez pas le droit d'y aller, c'est chez moi. Donc là, il y a un endroit chez moi. Mais wesh. Frérot, emménage une maison là-bas. Mais non, parce que c'est une réserve naturelle, Théma. C'est une réserve naturelle, c'est-à-dire faut pas trop y toucher. Je sais même pas si je peux faire une cabane là-bas. Attends, mais j'ai envie de savoir. Regarde Lucas Studio. Lucas Studio. C'est comme Lucas Studio. Comment ça? Il a eu un truc, Lucas Studio? Mais mec, mais... J'ai un territoire en Écosse. Mais Clash Royale, vous êtes des fous. Le nombre de voleurs de feuilles va augmenter. Les voleurs de feuilles. Il a un territoire aussi. Il en a acheté un. Ah ouais? Lucas Studio territoire. Mais wesh. En Écosse. Tu perds, t'achètes un territoire en Écosse? Oui, vraiment. Mais non. On explore le territoire que j'ai acheté en Écosse. Bonjour Pierre. Bonjour. Il y a un an, on avait un qui était vraiment petit, qui faisait 1 pied carré. Et j'en ai un autre qui est quand même plus grand, qui fait 100 pieds carrés, donc environ 10 mètres carrés. Et du coup, c'est lui que je vais aller découvrir dans cette vidéo. Dans tous les hectares, là, il peut être n'importe où. Donc voilà, on va voir à quoi il ressemble enfin. Et d'ailleurs, depuis que j'ai ce territoire, en fait, je suis officiellement Lord. Donc Lord Lucas Studio, j'ai vraiment... Mais il a un truc en moi, Lord of Glencoe. Mais c'est à côté de moi. Glencoe, mais oui, c'est chez moi, Glencoe Wood. C'est le même endroit. Ah, mais j'aurais dû marquer ça, en fait. Glencoe Wood. Bah oui, c'est là. Bah oui, Théma, c'est là. Oh, ah, mais elle ressemble à ça, la forêt. C'est qui, lui? Imagine, c'est le créateur de Clash Royale. Attends, mais... Mais, hein... Ah ouais, alors... Bah attends, elle fait peur, un peu, la forêt, par contre. Wesh, on dirait des photos, Faut flipper un peu. Il y a un petit lac et... Attends, mais il y a un volcan, là, non? On dirait pas un volcan, là, ici? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Oh. Ah ouais... Oh! Mais, hein, ça fait trop peur, wesh, on dirait Slenderman! Ça fait bader, non? Glencoe Wood. C'est quoi tout ça? Lui, c'est un lord, lui. Lui, c'est sûr, c'est un lord. C'est un lord aussi. Oh là, il y a que des lords. C'est sûr, là, c'est une famille de lords. Attends, mais par contre, c'est pas une rumeur. Attends, par contre, je viens de capter un truc, là. Il y a une rumeur qui dit que les Écossais, ils sont tous roux. Mais c'est vrai, en fait. Comme par hasard, on est en Écosse, il y a 3 roues. C'est vraiment vrai? Il y a plus de roues en Écosse? Roux en Écosse.
L'Écosse a la plus grande proportion de personnes. Ah, mais je crois que c'est un cliché, moi. 13%. Ok. Je pensais que c'était un cliché. Je croyais que c'était un cliché. Non, mais attends, elle fait flipper par contre la forêt. Non, mais moi, je veux pas être lord de là-bas. Hein. Moi, je veux pas visiter là-bas, les gars. Ça fait trop peur. Attends, parce que du coup, j'ai envie de savoir. On est papier et tout. Attends, mais du coup, je vais avoir un truc comme ça? Parce que là, c'est un peu ce que j'ai là. Mais là, je l'ai version Clash Royale. Je vais vous montrer ça. Lord of Glencoe, etc. J'avoue, c'est assez stylé. Ça a pas mal de flow. Du coup, dans cette vidéo, je vais pas être tout seul déjà. Je vais être accompagné de PA. Et donc, je suis vraiment. Moi, je disais appelez-moi Lord Michou en mode blague. Mais en fait, c'est pas une blague. Que vous avez vu dans plein de mes vidéos, évidemment. PA, le frérot. Bientôt, un cache-cache sur mes terres. C'est trop drôle. J'organise un cache-cache sur mes terres. Lord Michou organise un cache-cache. Il y a des gens de la prod de Maison Grise qui... Vous êtes voisins maintenant avec Lucas Studio. Mais attends, mais j'avoue ça. Qui m'ont indiqué comment y aller. Du coup, ils ont réservé l'avion. J'aimerais trop savoir Lucas Studio, lui, c'est où. D'ailleurs, c'est toute une aventure pour y aller. Je pense que ça va vraiment être une galère de ouf. Mais on va bien se marrer, ça c'est l'essentiel, tu vois. Je viens de capter, mais imaginez si les 9 mètres carrés, c'est dans une rivière, tu sais. Et surtout, ce qu'on va devoir faire, c'est passer la nuit en fait sur mon territoire. Surtout que vous allez voir dans quoi on va dormir. Donc voilà, évidemment, il y a plus que moi en mode l'afficher. We going. Okay, it's far from here. No. Okay, nice. Do you know if it will be raining today? Probably. Hey, because I've got a territory in island titles. Bon, c'est 100 pieds carrés, donc c'est pas hyper grand, mais bon. Tu feras gaffe aussi. Je crois qu'il en a. On a récupéré la voiture et déjà petite dinguerie. C'est qu'en gros on avait loué une voiture, je sais plus trop ce que c'était, tu sais ce que c'était ou pas là. C'est trop dur. Allez, let's go. Oh, ça. Gars, tu sais juste avant qu'on parte, je t'ai mis un truc là dans le territoire. Hey, it's my turn. Mais il casse les couilles, il est trop chaud. De l'ordre. Et moi je suis un peu... Et que penses-tu du mot? Avec ça dans la petite tente parce que... Le souci, c'est vers le centre et tout. Là, il pleut un peu et surtout, en fait, le problème c'est qu'on a radé sur la météo, il a plu toute la journée là. Ouais. On va sortir hein. On peut. Oh, il y est. C'est les photos, gros, c'est les photos Google Maps. Fais un combat contre Lucas Studio. Je vais attaquer ses terres. Nous allons prendre possession des terres de Lucas Studio. Je vais l'attaquer, les gars. Je vais attaquer ses terres. Je sais pas si vous entendez là. On règle ça sur un combat Clash Royale, Lucas. Si je te bats en combat Clash Royale, je récupère tes terres. En vrai, je le fume sur Clash Royale, en vrai, non? Vraiment, je pouvais pas rêver mieux comme emplacement de territoire. Après, encore une fois, je sais pas où il est exactement. Donc autant, il y en a un. Démolis ses tours. On va un peu péter, mais là, pour le coup, c'est trop stylé. Oh, d'ailleurs, attends, qui a gagné? Dis à Elsa que t'es lord. Les gars, je vais rentrer ce soir, je vais dire à Elsa. Écoute, Elsa, je suis devenu lord. J'ai un territoire en Écosse. Elle va rien comprendre. Elle va me dire, mais t'étais pas juste censé faire un live? Mais lui le PK. Je vais faire spawn un PK sur mes terres. Donc on regarde ça. J'ai enlevé ma couronne, c'est vrai, excusez-moi, je la remets. Clash of Clans. C'est Clash Royale, frérot. Être bien sûr. J'avoue que ça me grattait un peu quand même. Donc celui qui a le plus gros pourcentage a la belle tente. Ouais, bah ouais, je me concentre psychologiquement. Le mien était trop bien. Chez toi là. Heureusement que j'ai les chaussures. C'est où chez lui? La forêt déjà pour voir parce que là il avait beaucoup de matos. Donc là je suis pas trempé. En fait, c'est un ruisseau partout. Allez, même pour passer là, c'est véritablement un ruisseau. Sandre, regardez ma chaussure, elle est au coin. Il y a les camps. Ah, il y a là en octobre, j'avoue. Parce que là, moi, là, on est en février, on est en mars. On est en mars. Attends. Météo, Écosse. Ouais, c'est ça. Ah oui, il fait que pleuvoir. Après, là, je vous dis la vérité, les gars. Là, si je vais en Écosse, je peux pas y aller maintenant. Genre, en mars, c'est impossible. En avril, mi-avril, je pourrais peut-être y aller. Météo Écosse, avril. Au mois d'avril, la température maximale est de 11 degrés. Wow. Le climat est plutôt frais, mais cela reste supportable en s'habillant chaudement. Oh, il fait vraiment pas beau. La meilleure saison, la meilleure période pour aller en Écosse, de mars à juin? Ok, donc avril c'est pas mal. En vrai ça va commencer à refleurir et tout, donc la forêt elle sera grave belle je pense.
Elle était coincée là-dedans là. Oh putain sa mère. Oh ma chaussure, regardez. Je peux pas marcher à côté en fait, même là c'est pareil. Et les amis, j'ai trouvé où c'est. Finalement j'ai quand même vraiment trouvé le territoire. Voilà, donc c'est vraiment là, je suis chez moi. Le Lord enfin a retrouvé, a vraiment vu où... Ah là il est chez lui là. Où est-ce qu'il était. Le Lord Lucas Studio est vraiment très content. Alors je sais pas si vous voyez ici parce que justement c'est très sombre là où on est en fait, c'est en pente. Je vous filme avec un autre point de vue la merde. Je vais avoir un territoire comme ça. Je vais... Critiquez pas, hey. Critiquez pas mon territoire. Il est incroyable. Après là, non, là c'est le territoire de Lucas. C'est le territoire de Lucas Studio. Non, 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 non. Il est nul. Il est nul. Sauf si c'est moi qui en prends possession. Si j'en prends possession, ce sera un bon territoire. Là, il est moche. Regardez, c'est ici en fait. Et vous voyez, c'est... Moi, mon territoire, il doit être beaucoup plus beau que ça. Totalement trompé, c'est un peu... On reviendra demain avec PA pour mieux le voir et vous le montrer. Regardez, on rentre un peu dans le côté sombre. C'est vers mon territoire là. Il a un côté bresson, mon territoire. Il a vécu des choses, tu vois. Il a un background, il a un passé. J'ai un background. Ah, mais il est là. Attends, je viens de le retrouver. Rade-moi ça. Juste là. Rade. Ah, oui. Oh, il a trop le seum. Les amis, bon alors. Il a vraiment. C'est un marécage en fait. C'est un marécage. Effectivement, il est difficilement praticable. Imagine, t'as la rivière. En vrai, moi, la rivière, ça m'irait. Hein. Moi, mon rêve. Après, c'est combien de mètres carrés là? J'ai la parcelle de terre numéro... Attends, je vais faire une recherche. Parcelle de terre numéro A716-689. Ah oui, hop. Merde, hop. Je me demande, j'ai combien de mètres carrés. Diable, mais parce que là, lui, il a dit, je crois, il a 10 mètres carrés, là. Et moi, je sais pas, j'ai combien. J'ai 1, j'ai 10. Va sur cadastre.gouv. What? Mais qu'est-ce que je fais, les gars? Oh. Ah oui, c'est pour regarder les territoires. Cadastre Écosse. Quels sont vos droits? Non mais attends, parce que là je comprends plus rien. Eh, c'est trop de responsabilité en fait. Ah, elles ne sont pas enregistrées au cadastre à cause de leur faible valeur. Oh merde. Vous avez un droit personnel sur cette parcelle. Vous en êtes propriétaire bénéficiaire. Vous pouvez vous y rendre et en profiter, vous faire appeler Laird, Lord ou Lady, mais vous ne pouvez y apporter de modifications. Oh merde, je pourrais pas faire de cabane, les gars. Je pourrais pas faire de cabane. Par contre, quand je suis là-bas, je suis dans le droit de me faire appeler Lord. Quand je suis sur mon territoire, je peux dire aux gens, eh, on est sur mon territoire, tu m'appelles Lord. Il sera obligé. Parce que s'il m'appelle pas Lord, bah, qu'est-ce qui se passe? Il va pas aller en prison, il n'y a pas de prison dans mon territoire. Bah, s'il m'appelle pas Lord, il va bouffer mon territoire, tu vas voir. Vous pouvez léguer ou revendre votre parcelle. Uh-huh. Le propriétaire réel devrait racheter toutes les parcelles souvenirs d'un domaine avant de le revendre, ce qui, dans le cas, représente déjà plus de 100 000. Il y a 100 000 propriétaires déjà? Ce qui rend presque impossible de revendre le domaine. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ok, mais en fait, faut que je demande à Clash. Faut que je demande à Clash Royale. Faut que je leur réponde. Faut que je leur réponde. Faut que je leur dise, les gars, je suis trop content, moi, maintenant, d'avoir un territoire, mais je veux savoir c'est où, je veux y aller. Bon, les amis, je vous donnerai des nouvelles. Je vous donnerai des nouvelles, que ça soit sur Instagram, sur d'autres lives ou quoi que ce soit. Mais là, prochain objectif, en avril, pourquoi pas, y aller. Bah, en fait, je vais un peu plagier à Lucas Studio, du coup. Bon, bah, j'avoue, je vais un peu faire comme lui. Je fais un vlog en Écosse et je vais visiter mon territoire. C'est une dinguerie en vrai. C'est improbable MDR. Mais là c'est improbable. Parce que là ça me tombe dessus quoi.
Je m'attendais pas. Hein. Il y a une heure, frérot, je pensais pas que j'avais une terre en Écosse alors qu'elle m'appartenait déjà. Je vous donnerai des nouvelles, les gars. Faudra que je vous donne des nouvelles aussi. Le territoire, il fait combien de mètres carrés, il est où exactement et tout, machin. Faut que je me renseigne. Mais purée, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Et ben voilà, les gars, j'ai un territoire. Je suis choqué. Je suis choqué. Renomme-la Michouland. Ah ouais, faut qu'on trouve un nom. Attends, j'avoue, j'ai un territoire, faut qu'on trouve un nom au territoire. On trouve un nom au territoire? Les gars, mais de toute façon, au pire, hey, y aura une vidéo carrément sur la chaîne secondaire. Les gars, dans les commentaires, proposez des noms pour mon territoire. Comment je pourrais appeler mon territoire? Michouland. Non, Michouland, je sais pas. Il faut. Dites-moi des noms de territoire dans les commentaires et je verrai, je choisirai, je choisirai. Mais ah ouais, putain, ça rigole pas. Hein. Putain. Et ben, sinon les potos, je pense que nous on va s'arrêter là pour le live de ce soir. Imagine, c'est ça. Ben oui, parce que Clash, à un moment, ils disent oh, et restez à l'écoute, d'autres annonces royales pourraient arriver. Imagine. Ils envoient à plein d'influenceurs des terres et ils créent un tournoi entre nous et le gagnant remporte toutes les terres. C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux gagner les terres. Je veux les gagner. Non, je crois pas. Tu pars trop loin. Ouais, j'avoue, peut-être que je pars loin. J'en sais rien, t'es parti loin. Ouais, peut-être. Bref. En vrai, ça serait incroyable. Et en vrai, ça serait incroyable. Bref, tu vas trop loin, frérot. On sait pas, frère. Clash Royale, c'est des génies, gros. On sait pas. Bref, les amis, merci d'avoir suivi ce live. Vous êtes les boss. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Moi, je vais aller visiter mes terres en Écosse. Des bisous, les gars. Vous êtes les boss. En vrai, j'ai kiffé le live. Bon, mis à part que moi, mes games étaient un peu catastrophiques. Mais voilà, c'était très très cool. J'ai adoré. Des gros bisous. Vous êtes les boss. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Et les gars, on va fumer tout le monde au deuxième tournoi d'Inox là. Le deuxième tournoi d'Inox, on va fumer tout le monde. Encore merci à Supercell pour le live et Clash Royale du coup. Parce que c'était un live sponsorisé, donc ça fait plaisir, c'est les boss. Bref, bisous les gars, vous êtes les boss. Bisous le chat, bisous, bonne soirée, bisous, 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 bisous.